Et donc yo tout le monde, c'est Skies. Donc on se retrouve pour juste avant cette action RP pour comment dire une petite mise au point de ce qu'il va se passer. Donc je vais vous expliquer rapidement. Je vais aller parler de la suite des termes de la partie 1 que vous avez dû voir il y a très peu sur ma chaîne, de notre contrat entre nous, les Sons of Anarchy, et le groupe, la société Morfast, qui va organiser des courses sur Lakeside Arma 3 Life, dans le département Arma 3 Life. Donc je vais m'acheter une VL, retirer ma voiture. Puis on va se rendre là-bas. Petit truc Léa, c'est un épisode additionnel, donc vous n'êtes pas obligé de le regarder pour comprendre ce qui se passe. C'est simplement un petit plus qui va spécifier. Qui va. Oui spécifier, ouais, on peut, je sais même pas si ça se dit. Bah, qui va préciser, on va dire plutôt, voilà. Les termes exacts du contrat. On va vérifier un peu mieux tout ça. Je vais finir de passer les accords. Et je vais demander une augmentation au niveau du prix à la fin des courses. Je vais demander 20% au lieu de 10. On verra bien comment ça se passe. Parce que 10 ça fait très minime. Et 10 c'est en cas si l'épreuve n'a pas rapporté beaucoup. On voit ça avec eux et on conclut le marché. Donc aussi, petit truc, Arma 3 Life est un serveur modé. Si vous voulez le rejoindre, mettez-le dans les commentaires. Il n'y a pas de problème, je vous enverrai les liens des mods et je vous enverrai l'IP du serveur aussi. Donc, plutôt bien. Le serveur est assez intéressant comme il y a des véhicules modés, donc dont celui-là qui est sans doute le meilleur à mon goût. Enfin, le meilleur véhicule modé, sauf à l'intérieur. Salut, est-ce que tu es une game? Oui, je suis une game, mais je suis. Une farm. Non, je vais aller passer mon contrat. Bah, vas-y, va pas tout de suite. Je vais restart. Tu vas restart le serveur? Oui. Ok. User left your channel. Alors là, je vous explique, on va les accompagner sur la route. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Elvidia. Monsieur Vincent. Monsieur Sanchez, exactement. Donc, au niveau du contrat, on va se rendre dans nos locaux. Pour la suite du contrat, pour les termes. C'est ça. À côté, je fais le malin. Ils vont me tracer par contre. Il y a le garage avec et tout. Il est par mine gote. Arrivé à destination alors. Oui, je vois. Donc, très joli on villa. On va se rendre à l'intérieur, premier étage. Par contre, les murets, c'est très résistant, c'est pour votre voiture qui va gagner contre les murets. Hein, oui. Un petit peu comme les ralentisseurs qui ont failli éclater les roues, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, comme les Donan. Donc suivez-moi dans notre demeure. Dans notre demeure. Putain. Dommage qu'on puisse pas les aménager.
Elle est très jolie, mais elle est un petit peu vide. C'est dommage que vous ne l'ayez pas aménagée. Oui, elle est un peu vide, c'est parce qu'on a emménagé il y a très peu de temps. Le déménagement s'est fait hier. Avant, on avait des locaux de merde. Donc voilà. Je me permets d'aller voir la piscine. On va accéder au premier étage. Je me permets. Ah bah, allez-y. Putain, la piscine que ça leur fait. Par contre, il n'y a pas encore l'eau, puisque... Ça vous ferait un bon pouvoir. Bah, en fait, ils sont pas encore les pompes sont pas encore en marche. Ah, donc il y aura de l'eau bien évidemment tout bientôt. Ça ferait un bon plongeoir, malgré qu'on puisse se tuer si on saute. Oui, effectivement, c'est très dangereux par ici. D'ailleurs, je vais bientôt demander à y faire poser des barrières. D'accord. Puisque c'est très dangereux, on a déjà eu un employé qui est mort. Bon, c'est aussi un con, mais c'est un employé. Tout à l'heure, je me permettrai de descendre là-bas sur l'épave pour sauter à l'eau. Donc, je vous suis. Donc, on va aller au premier étage, puisque là, il fait vraiment très chaud. Donc, il fait beaucoup plus frais à l'intérieur. La clim, il y a la clim. C'est du marbre tout ça, c'est très 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 joli. Oui, effectivement. On va accéder à droite car ici on a une belle vue, une belle vue sur les différents tableaux. Voilà, ça c'est la. C'est la galerie de notre demeure. Ouais, je vois que vous vous mettez au calme aussi. Hein. Oui, effectivement. Donc, asseyez-vous, hein, c'est tout propre pour la forme de ménage, je viens de passer. Ah, parfait. Donc, le sujet d'aujourd'hui concernant la suite du contrat était. Enfin, je ne sais plus trop. J'avais quelques questions sur nos termes et j'allais demander une modification d'une certaine partie du contrat et le rajout d'autres. D'accord. Ben, je vais vous laisser commencer. J'aimerais commencer par rapport à ce que je vous envoyais par mail. Nos ennemis qui ne nous apprécient que très peu. Oui, comme les Belgium Guys, c'est le nom de la groupe. Oui. Alors, justement, à propos de... j'allais vous demander si vous n'alliez pas faire alliance avec eux. Alors, on n'a eu aucun contact avec un de ses membres. On n'a eu aucun contact, on leur a jamais parlé, on les connaît par le biais des réseaux sociaux et l'internet bien évidemment. Et donc on n'a eu aucun contact et non, il n'y aura aucun contrat avec eux, puisque déjà la SOA fait une grande partie de l'entreprise et il n'y aura aucun contrat avec eux qui sera signé. Alors aussi par rapport à eux, j'allais vous demander si vous les laisseriez participer aux courses. Alors ça non, ce n'est pas prévu étant donné que c'est j'ai failli ils m'ont menacé déjà de mort, je me suis déjà fait braquer par l'un d'eux. Mais c'est pas vraiment des personnes que j'apprécie et ils seront interdits de course d'inscription. Il n'y aura aucune inscription. Et comme la police c'est une entreprise, c'est du légal. Donc entre la police devrait, si on a un problème, on pourra appeler la police en plus de vos hommes, s'il y a vraiment un gros souci. Oui, c'est ça. Si vous avez un problème avec eux, n'hésitez pas à nous appeler. J'avais une idée, c'est les laisser participer, les laisser avoir accès, mais les laisser payer quoi.
mais ne pas qu'il puisse ne pas gagner la somme de fin. Oui, Et sinon ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de truquer les courses, oui, un bonne peu idée. pour en faire en sorte qu'ils ralentissent, truquer les voitures, on va demander à nos mécaniciens de truquer les voitures lors de la vérification. On mentira la vérification de leur véhicule afin de truquer les résultats. Placer quelques petites choses à l'intérieur. Ok. J'allais vous demander par rapport aux bénéfices. Oui. Si les 10% pouvaient passer sur les 20%, j'ai eu une demande d'augmentation car nous avons de très gros problèmes d'argent. Enfin, nous n'avons pas énormément de financement, donc je pourrais vous dire 15%, monsieur. 20%, c'est, vous savez, ça va être un gros trou dans notre budget. Oui, 15. 15, 15, Car on a 15. beaucoup de. Les locaux, le loyer des locaux, enfin, sont vraiment très chers. Sont vraiment très chers, donc on a vraiment du mal. En plus, les employés sont pour la plupart Putain. élites, donc ils ont énormément de formation, donc on est obligé de les payer très cher et ça va être très dur à monter à 20%. D'accord. Et peut-être plus tard, si je vois que vous faites de gros bénéfices, je vous demanderai les 20%. Après, par Oui, rapport pas de problème si on y va comme ça, à nos pas de prêts problème. d'argent, si vous avez des gros Oui. soucis, des gros trous comme vous le dites, on pourra vous prêter quelques sommes d'argent. Vous aurez 3 jours D'accord. pour les rembourser. Oui. Et puis vous devrez donner ben justement ces 15% en plus sur votre prêt. D'accord. Exemple, vous empruntez 100 000, vous les rendez sous les 3 jours, vous Oui. rendez 115 000. Pas de problème là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Je n'ai rien à me dire là-dessus. Merci beaucoup. Juste une dernière chose. Si, au moins vous. Si, exemple, si vous ne remboursez pas le prêt sous les 7 jours, enfin sous les 5 jours d'abord, nous Oui. passons à 25%. Sous les 7 jours, nous passons à Oui. 50%. Et puis au-delà de 7 jours, Oui. c'est 200%. D'accord. Pas de problème là-dessus. Parfait, Si parfait, nous parfait. devons vous, si nous devons vous emprunter, ça sera rendu au plus vite possible, donc il n'y a pas de problème. Aussi, nous allons vous laisser accéder à notre territoire qui est Los Diablos, bien sûr, la ville. Oui, d'accord. Vous pourrez y créer des crews s'il n'y a aucun problème.